C'est un véritable camouflet pour le président américain. Aux États-Unis, la Cour d'appel de San Francisco a décidé de maintenir la suspension du décret migratoire de Donald Trump. Les trois juges ont insisté sur la nécessité de protéger l'intérêt général. Donald Trump a aussitôt réagi sur les réseaux sociaux en déclarant « Rendez-vous devant le tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu ». Le 27 janvier dernier, le président américain signait ce décret intitulé « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Un décret qui interdit notamment l'accès aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans pendant 3 mois. Donald Trump avait fait de ce texte l'une des mesures les plus emblématiques de son début de mandat. Avant que la justice ne suspende le texte, de nombreux Américains s'étaient rendus dans les aéroports pour soutenir les ressortissants retenus par la police et afficher leur soutien aux réfugiés.